Si t'as peur de commencer la salle, regarde cette vidéo. La plupart d'entre vous, vous n'avez pas envie de commencer le sport, d'aller surtout en fait en salle de sport par rapport au regard des autres. Alors je comprends, d'accord, on a tous été tendus, on a tous été extrêmement gênés. Arriver dans la salle, ne pas connaître l'emplacement des machines, ne pas savoir quel exercice faire, avoir une tenue qui ne nous plaît pas forcément, ne pas être à l'aise avec son corps, on l'a tous vécu. Mais justement, c'est ça qu'il faut que vous disiez. C'est que tous les gens qui sont dans cette salle de sport, tous les gens que vous pensez qu'ils vont vous juger ont tous commencé comme vous. Et en fait, ceux qui ont réellement progressé, ceux en tout cas qui sont bienveillants, ne vous jugeront pas. Ils vont juste vous donner des conseils ou alors ils ne vous calculeront pas. Parce que la musculation, c'est un sport solitaire. C'est un sport dont les bénéfices apparaissent directement sur notre physique. On s'entraîne pendant plusieurs heures, seul. Personne ne vous calcule en fait. On s'entraîne seul, pour soi, et ça apparaît sur notre physique. Personne ne va faire attention au petit nouveau qui vient de débarquer. Et si quelqu'un fait attention à vous, franchement, ayez de la peine pour lui, quoi. Parce que normalement, on fait attention aux autres quand ils font mieux que nous. Donc si quelqu'un vous fixe réellement, c'est que vous faites mieux que lui. C'est qu'il est impressionné. En tout cas, dites-vous ça. Donc tous ceux qui veulent pas commencer la salle parce qu'ils sont mal à l'aise, pensez au, je sais pas, à votre premier jour d'école. Vous étiez mal à l'aise et pourtant, en résultat, vous avez votre bac en poche. Ou si vous n'avez pas encore le bac, pensez à vos amis, aux amis que vous êtes fait. On est toujours mal à l'aise au début, mais le sport, c'est vraiment quelque chose d'important. Et on va y revenir plus tard. Ensuite, comme deuxième raison de pourquoi les gens ne vont pas à la salle de sport, c'est l'alimentation. On a beaucoup qui se posent beaucoup de questions, qui ne comprennent pas, qui écoutent les gens sur internet, surtout sur TikTok. Vous écoutez beaucoup les avis, et vu que bah forcément les avis, il y en a pour tous les goûts, il y en a qui s'opposent, et si vous écoutez un petit peu partout, vous trouverez jamais en fait le même. Ça veut dire qu'il va falloir vous forger vous-même une opinion. Après ça s'apprend. L'alimentation, ça s'apprend, c'est vraiment pas compliqué. Je vais pas m'étaler parce que bon, c'est un peu long quand même, pour être sûr que vous compreniez, je vais pas vous dire n'importe quoi. Mais ça s'apprend. Et même si c'est l'une des parties les plus importantes dans le sport, pour débuter la salle de sport, vous n'avez pas besoin de tout connaître sur l'alimentation. Contentez-vous de manger des choses plutôt saines. N'allez pas acheter les paquets de gâteaux au supermarché quand vous les voyez. Prenez plutôt, je sais pas moi, des fruits. C'est super bateau ce que je viens de dire, mais réfléchissez, vous n'êtes pas bête. Pour l'alimentation, franchement, prenez votre temps, soyez sûr des connaissances que vous êtes en train d'acquérir. Ensuite, l'un des plus gros problèmes, je pense, et personnellement, moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est la motivation. On confond tous motivation et discipline au début. La motivation, c'est quand vous vous levez à 3h du matin et vous vous dites « Ah là, aujourd'hui, je vais tout changer. Aujourd'hui, je vais tout casser, là, je vais sortir, je vais aller faire un jogging. » Ça, c'est de la motivation. Mais quand vous allez vous réveiller le matin, vous allez vous dire « Non, 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 je vais pas aller courir, on va rien faire du tout. » Il faut apprendre à faire la différence entre motivation et discipline. La motivation, c'est un élan, c'est un sentiment. Ça veut dire qu'il va, qu'il vient, qu'il peut ne jamais revenir, mais forcément qu'il va repartir. La discipline, c'est se forcer à faire des choses qu'on doit faire mais qu'on n'a pas envie de faire. Et justement, c'est ça. La plupart des gens qui veulent commencer la salle, en pensant évidemment que c'est facile, en regardant 2-3 vidéos sur TikTok, 2-3 vidéos sur YouTube, se motivent, se disent « Ah ouais, je vais avoir ça, je vais être exactement comme ça. » Et en plus de ça, en très peu de temps. Faut savoir que la musculation, c'est un sport de durée. Ça veut dire que si vous ne tenez pas le coup sur la longueur, vous n'aurez aucun résultat. Discipline et motivation, c'est deux choses bien différentes. La motivation, c'est sympa, mais la discipline, il faut vraiment la développer. Et personnellement, la salle de sport, quand je vous dis c'est important de commencer la salle, ou en vrai n'importe quel autre sport, mais je trouve que la salle de sport, particulièrement, ça m'a aidé à développer cette discipline. Un exemple tout bête, à l'école, j'ai jamais eu de difficultés. J'ai toujours eu de bonnes notes assez facilement, sans réviser, sans fournir de réels efforts. Et quand je suis arrivée à la fac, ma première année, ça a été n'importe quoi, parce qu'à la fac, il faut travailler. La salle de sport, ça m'a fait me remettre en question sur ça. Des fois, j'avais pas envie d'aller m'entraîner, je suis quand même allée m'entraîner. Là, je suis en train de suivre une diète. Quand j'ai faim, je me dis non, 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 tu vas pas manger, t'as dit que t'allais sécher, tu manges pas. Enfin, en fait, j'apprends à me discipliner. Je dois faire 4 séries de 10 reps, je fais 4 séries de 10 reps, même si la première série à la 8e rep, j'ai plus envie. Même si je suis fatiguée, je vais y aller. Attention, on n'abîme pas son corps. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup d'entre vous se trouvent pas mal d'excuses et c'est pas la solution. Je sais pas quel âge vous avez. Si vous êtes jeune, franchement, commencez. Parce que moi, quand j'avais 14-15 ans, je forçais, je voulais absolument aller à la salle de sport. Et la salle de sport, l'âge, c'était 15 ans. Et même quand j'ai eu mes 15 ans, au final, j'ai pas pu parce que quand j'en parlais à ma mère, elle me disait non, non, t'es trop jeune, t'es trop jeune, t'es trop jeune. Résultat, j'ai commencé la salle quand j'avais 18 ans. J'ai eu des résultats assez rapides. Là, ça va faire 9 mois que j'y suis.
Mais en fait, j'ai trop le seum quand je vois des gens de 15-16 ans qui sont déjà des machines en fait. Et j'aurais pu être pareil et je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas assez persisté en fait. Et c'est ça que je suis en train de vous dire, je sais pas quel âge vous avez, mais lancez-vous. Le sport, c'est important. Le sport, c'est l'un des fondements les plus importants. Et dans cette société, en fait, ils nous font croire qu'on peut se passer de sport, mais on ne peut pas se passer de sport. C'est important, en fait. C'est important d'aller faire quelque chose qui va vous faire oublier tout le reste. Parce que je suis désolée, mais quand vous êtes à la salle de sport, ou quand vous êtes en train de courir, ou quand vous êtes en train de boxer, vous pensez pas à votre vie, vous pensez pas à la fac, vous pensez pas au bac, vous pensez pas aux enfants qui vous attendent à la maison, vous pensez à vous. Et c'est très très important, vous développez une discipline qui va vous servir dans tous les aspects de votre vie, et c'est très très important. Vous apprenez à réfléchir et à vous nourrir correctement, parce que quand on va dans un supermarché, après s'être renseigné sur l'alimentation, on se rend compte en fait d'à quel point la société se moque de nous, parce que je pense que 80% de ce qu'il y a dans le supermarché est nocif, et 80% je suis vraiment très sympathique. Du coup, voilà, c'était une vidéo assez courte. Dites-moi ce que vous en pensez. C'était vite fait, c'était sur un coup de tête, mais c'est bon, j'en ai marre. Je vais essayer d'aider les gens au maximum. Et puis, si je me trompe, corrigez-moi. Et s'il y a des améliorations à faire, dites-les-moi, donnez-les-moi. Et voilà, j'espère que vous portez bien et je vous fais de gros bisous.